Salut les Turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 5 juillet, direction Saint-Malo, pour la 8e étape du Grand National du Trot, Paris Turf, Trot Attelé, pour changer, 2950 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Donc, indice de confiance 3 sur 5, c'est pas un 5 sur 5, hein, donc on ne s'enflamme pas trop, mais c'est pas non plus un indice d'1 sur 5, hein, comme ce mardi d'ailleurs, c'était un vrai indice d'1 sur 5, et comme prévu, bah, les casseurs de tickets, ils se sont régalés. Ah, ils étaient au rendez-vous, c'est le moins que l'on puisse dire. Une citation de Friedrich Nietzsche, artiste, écrivain, philosophe. Nul vainqueur ne croit au hasard. Et le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3, qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté, vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Fredo Griff. Il monte de catégorie et il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer gratter une petite place. Le numéro 2, Echo de Champlecy. Lui aussi monte de catégorie, mais il est archi régulier. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Une fois de plus, il va tout donner. Bien placé au premier poteau, on le garde. Le numéro 3, Dryade du Parc. Cette sortie a surtout pour but de le préparer en vue d'un engagement futur. Il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 4, Diva du Grani. Ses 5 dernières courses, elle n'est pas descendue du podium. Et même si elle est meilleure corde à gauche, elle ne devrait pas être ridicule. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 5, Fairplay d'Urzi. Mieux vaut ne pas condamner ce fils de Redicache, entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par Éric Raffin, car il a été préparé spécialement pour cette course et va probablement faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 6, Bonheur de Naye. Il reste sur une disqualification, mais cela lui arrive rarement. Pieds nus pour cet engagement en tête, il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 7, et voilà de Muse. Il est en forme, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il part en première ligne, il s'annonce redoutable. Le numéro 8, Derby du Dollar. C'est le plus riche du premier échelon, mais pour autant, il ne dispose pas de beaucoup de marge. À l'issue d'un parcours sans encombre, il tentera d'accrocher une 4e ou une 5e place. Le numéro 9, Défi Pierre J. Il reste sur un échec et va devoir rendre 25 mètres. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer à l'arrivée. Le numéro 10, Bip Bop au Fort. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Il garde ses chaussures et rend la distance. Sa tâche s'annonce compliquée. Le numéro 11, Bleu Ciel. Il reste sur 2 échecs consécutifs et il part aux 25 mètres. Difficile de lui accorder notre confiance, même si son entourage est plutôt optimiste à son sujet, donc quand même méfiance. Le numéro 12, Quentin de l'Éclair. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 10 courses, seulement 3 fois à l'arrivée, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 13, Balzac de Liton. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau, mais on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui, quitte ou double. Le numéro 14, Aldo d'Argentré. Il reste sur 5 échecs consécutifs et va devoir rendre 50 mètres. En revanche, il se rapproche dangereusement de son meilleur niveau et l'on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 15, Bellavis. C'est le plus riche de la course, entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par le fils. Même aux 50 mètres, Bellavis a largement les moyens de se mêler à l'emballage final. Attention à lui. Le pronostic, ça donne 5, 7, 4, 15, 2, 6, à
As, 8, cheval de complément, le 13, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics, tous les jours, et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.